Les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est une grande joie de vous accueillir chaque semaine sur ma chaîne où nous discutons de tout ce qui concerne ce fabuleux petit jeu, l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demanderai de le faire pour me soutenir et aussi pour pouvoir avoir encore plus de vidéos en français sur l'art de tirer les cartes et d'interpréter le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Avant de commencer notre rubrique de la semaine, je tiens à vous remercier pour vos commentaires positifs sur la review que j'ai fait sur le Spirit Within Tarot, parce que je pense que ce jeu en vaut la peine. Et de temps en temps, j'essaierai de faire des petites reviews sur des jeux que je pense être utiles. Et je tiens aussi à faire un coucou spécial à toutes les personnes du Maroc, car j'ai reçu beaucoup de messages qui témoignent de votre présence sur la chaîne et aussi de votre appréciation. Donc merci beaucoup et je suis très honoré, très heureux que vous supportiez mon travail et ma chaîne YouTube. Alors, le topic de cette semaine, nous allons parler d'un tirage que j'appelle le tirage de la décision ou du choix. Souvent, des fois, quand nous avons une décision à prendre ou sinon que nous avons à choisir entre, par exemple, deux postes de travail ou sinon à deux maisons à acheter ou deux maisons à louer, on ne sait pas trop bien quoi choisir si on fait confiance à notre instinct. Et là, les cartes peuvent vraiment être objectives et vous donner un aperçu de ce qui pourrait être le choix ou la décision que vous allez prendre. C'est un tirage que je pratique souvent dans mes consultations et que j'enseigne aussi à mes étudiants, car elles peuvent vraiment vous aider à voir plus clair dans une situation compliquée. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons regarder ça de près et je vais vous expliquer la procédure et comment tirer ces cartes et faire ce tirage avec précision mais aussi avec facilité. Alors, pour faire notre tirage du choix, nous avons bien sûr besoin d'une question pour nous aider dans cette tâche. Alors, nous allons dire que, voilà, Jean vient nous voir et qu'il a deux propositions de travail et il ne sait pas lequel choisir, d'accord ? Donc, on va désigner la première opportunité comme le travail A et la deuxième opportunité comme le travail B. D'accord ? Ce que nous faisons, c'est nous allons mélanger nos cartes. Et surtout, quand vous faites des tirages de cartes, prenez ce temps de brassage pour vous focaliser au maximum. C'est un temps pour vraiment mettre votre intention dans les cartes. On va mélanger. Pensons à la question. On peut faire couper le jeu. Ou sinon, on peut tout simplement mettre le jeu en éventail devant le consultant ou si vous faites le tirage tout seul. Et nous allons mettre trois cartes pour la proposition A. Et nous allons prendre trois cartes pour la position B. Ok ? Donc la première chose, c'est ce que nous devons faire, c'est de regarder entre les deux propositions laquelle contient le plus de cartes positives et de cartes négatives ou de cartes neutres. Alors nous commençons par l'option 1. Nous avons l'ours qui est positive, surtout quand elle concerne le travail. Le lys est positif. Et nous avons le renard qui lui est négatif. Option B, la dame elle est neutre, le cœur est positif et
les souris sont négatives. Donc déjà là, on sait que le travail A, il y a beaucoup plus de cartes positives que la carte B. Nous interprétons maintenant individuellement les choix. Alors choix A, on voit que c'est un poste à responsabilité avec l'ours, qui est une des cartes maîtresses du travail. On sait que c'est un travail serein avec le lys et surtout quelque chose qui dure dans le temps comme un CDI. Le lys est la carte de la patience, mais aussi la carte de la longue durée. Avec le renard, lui, qui est une carte d'emploi, elle devient à ce moment-là positive dans ce tirage car elle représente le travail en lui-même. Donc là, on a, comment dire, un aperçu positif et bien détaillé de la proposition 1. La proposition 2, on voit qu'il y a une dame ou sinon le consultant ou une femme qui est proche du consultant. Avec le cœur, ici, c'est peut-être un travail qui est attrayant, qui est attractif avec le cœur. Quelque chose qui plaît quand peut-être la dame représente celle qui a fait l'entretien. Mais avec les souris, on voit ici que finalement, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup, peut-être qu'il perd une opportunité en choisissant l'option B. D'accord? Donc moi, je dirais, vas-y, choisis l'option 1 parce que s'il y a un CDI, il y a des sous aussi avec l'ours, un bon salaire, un travail qui dure. Donc moi, ce sera dans l'option A. D'accord? Quand vous lisez Le Petit Lenormand, moi j'utilise une technique que j'appelle une technique narrative. C'est comme lire un livre. On commence de gauche à droite. Je regarde toujours la première carte qui commence l'histoire. Et je regarde aussi la troisième ou la dernière carte de la ligne parce que c'est la ponctuation. C'est elle qui donne la réponse finale. C'est elle qui donne, comment dire, la décision finale. Ici, en option 1, on voit le travail. Et en option 2, on voit le stress et la perte. Donc, quand vous faites un tirage pour vous-même, faites très attention à ça et essayez de lire les cartes comme si que vous allez lire un livre. La question de la semaine nous vient d'une de nos abonnés de la chaîne et elle me demande est-ce qu'il est obligatoire de mettre notre jeu du Petit Lenormand dans un tissu? Car elle a lu dans beaucoup de bouquins qu'il fallait habiller le jeu, ne plus le garder dans sa boîte et vraiment créer quelque chose, un pochon pour le jeu. Alors, ma réponse c'est ça va dépendre de vous. D'accord? Moi, j'ai certains jeux que je garde dans la boîte originelle parce que je trouve que la boîte est assez solide et que les cartes sont en sécurité à l'abri. D'accord? Et pour certains jeux, par exemple, où c'est des petites boîtes simples, qu'on appelle les tuck-box, vous savez, comme les boîtes de cartes à jouer, ceux-là, elles sont un peu plus fragiles. Et souvent, des fois, quand vous utilisez les cartes souvent et beaucoup, vous allez voir que l'épaisseur des cartes vont changer, le volume du paquet va grossir. Et souvent, des fois, on ne peut plus remettre le jeu dans sa boîte originelle. Donc, à ce moment-là, oui, vous pouvez choisir un pochon, vous pouvez prendre de la soie, comme certaines personnes pensent qu'il faut absolument avoir de la soie pour mettre son tarot ou son jeu du Petit Lenormand. Ou tout simplement, prendre un tout petit sac, vous savez, comme les petits pochons à bijoux, en velours, qu'on reçoit souvent quand on achète des petits bijoux, on peut utiliser cela aussi. Donc pour moi, ce n'est pas obligatoire, mais bien sûr, si elle n'a plus de boîte, on peut très bien le mettre dans un petit sac, on peut très bien aussi acheter une petite boîte décorative pour ranger le jeu. Tout est question d'attention, bien sûr, et si vous sentez que vos cartes ne sont pas à l'abri, il faut vraiment trouver quelque chose qui pourra les habiller et les garder bien en sécurité. Thank you.
Pour les énergies de cette semaine, je vais utiliser mon jeu du Petit Lenormand et on va voir un peu ce que les cartes veulent vous dire cette semaine. Voilà, première carte. Celle-là qui veut sortir aussi. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Et je veux même rajouter, voilà, une deuxième ligne. Et ce sera une petite combinaison de deux cartes. Et cela va représenter votre semaine. Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et choisir quel tas vous voulez. Je commence par le tas numéro 1. Je vais mettre les petits tas en bas, ça va être mieux pour voir. Alors, nous avons les poissons et la lettre. Alors, cette semaine sera une semaine de communication. Ce sera aussi une semaine pour payer les factures. Et tout ce qui a trait avec paiement de factures, paiement des impôts, on peut aussi vous annoncer qu'on va vous rembourser une petite somme d'argent parce que les poissons pour moi ça représente des transactions, mais c'est plus vers le sens payer ou dépenser ou investir. Il n'y a pas vraiment d'argent qui rentre, il y a beaucoup plus d'argent qui ressort. Donc c'est peut-être une semaine où il faudra vraiment vous plonger avec les poissons dans vos papiers, essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, essayer de voir un peu vos retards au niveau administratif et essayer de recaler ça le plus possible. Donc si on fait une quintessence ici, si on ajoute les deux cartes, ça nous ferait 61, donc 7, qui est le serpent. Donc en carte conseil, la carte 7 revient encore une fois cette semaine et elle vous conseille vraiment de mettre les choses en ordre, de ne pas laisser les choses s'envenimer et vraiment d'essayer de restructurer les choses. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, on a le cercueil, mais on a aussi les souris. Alors, nous avons là deux cartes extrêmement négatives, mais les souris ont le pouvoir de grignoter, de manger les choses. Et elles mangent tout ce qui sort avant elles. Donc là, elle va grignoter le cercueil. Donc, cela veut dire que c'est une semaine où vous serez moins enfermé chez vous, où vous allez vouloir sortir, où vous allez vouloir vous montrer. D'accord? C'est aussi une semaine où vous allez peut-être, en mettant de l'ordre dans vos papiers, dans vos affaires, au fond d'un tiroir, vous allez pouvoir retrouver des documents, vous allez pouvoir retrouver des choses que vous pensiez être perdues, mais qui sont là dans une boîte bien rangée. Avec les souris aussi, c'est une fin de noirceur qui arrive, c'est une fin de négativité avec la carte du cercueil. Si on fait la quintessence des deux cartes, on a 31, donc on retrouve ici le soleil. Donc, ce qui montre bien que même si les cartes paraissent négatives, quand on les interprète dans leur cadre et dans leur contexte, on voit vraiment qu'il y a du soleil qui arrive, le mauvais temps est passé, les mauvaises choses se terminent, mais le stress demeure quand même avec les souris, hein. Il y a toujours ce stress, mais c'est un stress qu'on peut maîtriser, c'est un stress qu'on peut transformer en autre chose. Si vous avez choisi l'option 3, alors nous retrouvons l'arbre et nous retrouvons la croix. Les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est une semaine où peut-être les excès de fatigue, les excès de travail, comment dire, de travailler dur, vous coûtent un peu la santé. Vous allez vous sentir un peu fatigué, vous allez vous sentir un peu léthargique, et aussi vous pourrez souffrir au niveau des épaules, mais aussi au niveau de la colonne vertébrale. Alors, ces cartes-là vous invitent vraiment à vous reposer, à vous occuper de votre santé. Parce que si vous n'écoutez pas votre corps, lui va vous forcer
à rester allongé, à rester alité. Donc, à vous de prendre les devants. L'arbre toujours vous conseille de prendre votre santé en main, d'essayer aussi par la méditation de vous centrer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent autour de vous. Vous avez l'impression que le sort s'acharne un peu sur vous et que les problèmes c'est répétitif et que jamais rien n'est réglé. Mais gardez la foi, parce que la croix c'est aussi un symbole de foi, c'est aussi un symbole de religion, de divinité, de lumière. Donc gardez la foi, priez, méditez, et vous verrez que les choses vont s'arranger. Si on fait la quintessence ici, on retrouve 41 et ça devient 5. On retrouve encore la carte de l'arbre. Donc c'est vraiment, cette semaine, il faudra vous centrer sur votre santé et sur les douleurs que vous pouvez avoir et surtout vous reposer. Donc voilà, c'était un petit mini tirage personnel que j'ai fait pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je garde ce type de tirage pour les semaines à venir? Et voilà, laissez-moi un petit commentaire et on verra si on continue ou pas. J'espère que la vidéo de la semaine vous a plu et qu'elle vous a donné encore une fois un peu d'inspiration et qu'elle va vraiment vous guider à utiliser votre jeu du petit Normand le mieux possible. Le but de cette chaîne, ce n'est pas de donner de la voyance gratuite à tout le monde, mais c'est vraiment à vous éduquer et à vous apprendre comment interroger les cartes et comment avoir des réponses précises, claires et sûres avec une méthode qui a été testée sur des milliers de tirages. Je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même chaîne.